le Seigneur vous bénisse richement. Je profite, comme je suis là. Voilà, je profite de ce temps de parole qu'il m'a accordé aussi, de pouvoir vous rendre un petit témoignage. Je ne fais pas tant de content. Le Seigneur vous bénisse richement. Voilà, en fin d'année, en fait, alors déjà au milieu de l'année, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà eu un problème avec le cœur. J'ai eu une attaque, bon, alors que je ne faisais rien de spécial. En fin d'année, malheureusement, l'adversaire encore est revenu avec la même chose, encore la même attaque. Donc, malheureusement, cette fois-ci, ça a donné quelques séquelles. C'est pourquoi vous m'avez vu pendant quelques jours, je suis vraiment paralysé d'un côté. Les médecins avaient vraiment craint qu'il faut vraiment opérer parce que c'est vraiment les artères sont en train de se rétrécir, de se reboucher et vous allez rester paralysé. Malheureusement, à vie, en général, la plupart du temps, c'est ce qui se passe. Donc, quand il me dit ça, j'ai eu un peu crainte, c'est vrai, mais bon, on l'entend assez régulièrement ici. Pourquoi craindre? Puisque lui, il est là. Alors, j'ai remis ça entre les mains du Seigneur, et si c'est ta volonté que je sois paralysé. Bon, il y a sûrement une raison. Il doit y avoir un enseignement, puisqu'il y a toujours un enseignement. Alors, j'attendrai. Et il m'a donné un autre rendez-vous pour le début de l'année. Et je suis allé au début de l'année. L'autre jour encore ici, c'était encore un peu paralysé. Et le frère a dit vraiment, on va prier pour toi. Donc nous sommes réunis ici. Tant bien que mal, je me suis agenouillé. Le frère dit, non, reste debout. Il dit, non, puisqu'il faut s'humilier, je m'humilie devant le Seigneur et devant son serviteur. Les frères ont prié pour moi. Le frère a même fait une onction d'huile. Le lendemain, déjà, je sentais déjà ma jambe qui pouvait bouger normalement. Ah Seigneur, ça c'est vraiment une grâce. Vraiment une grâce. Et je suis encore allé voir le cardiologue. Il a repris l'attention. Il dit, je ne comprends pas. Il dit, la semaine passée, vous étiez encore à 17, pratiquement. Et aujourd'hui, vous arrivez ici avec une tension de 13,5. Donc, pratiquement normale. Bon. Il dit, vous. Il dit, en plus, vous commencez déjà à bouger. Je dis, oui. Et aujourd'hui, je peux bouger mon bras. Je peux bouger, je peux vous penser si je veux. Alors, quand il a vu ça, il a dit, mais dites-vous, vous avez vraiment de la chance. À moi-même, je dis, non. Pas la chance. Moi, j'aime mon Dieu. Amen. En tout cas, je sais en qui je crois. Et voilà, donc je voulais glorifier le Seigneur. Amen. Juste pour vous lancer un cœur. Et moi, je veux chanter pour Jésus, il est le roi.